vous êtes nombreux à m'avoir demandé d'analyser le solo Freebird de Lynyrd Skynyrd. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai choisi Sweet Home Alabama, voilà. Alors pourquoi j'ai choisi Sweet Home Alabama plutôt que Freebird? Parce que Freebird, en termes de logique de discours, bah il n'y en a pas. En fait, c'est vraiment juste des suites de petits plans imbriqués les uns à la suite des autres. Alors je peux très bien te les montrer, mais ça ferait un tuto un petit peu fastidieux. Si tu veux, t'as un plan qui fait ça. Voilà, faut le répéter 5 fois, ensuite ça. Pareil, 5, 10 fois, je sais pas, et après ça. Bon, tu vois, techniquement c'est vraiment intéressant, et puis même le solo, ça veut pas dire qu'il est nul, hein. Il envoie du lourd, il peut vraiment progresser, à gagner en dextérité et en vitesse, et puis en endurance, il faut vraiment, pour envoyer le solo pendant 5 minutes, faut y aller, tu vois. Mais pour une analyse, j'avais pas grand chose à dire, du coup j'ai préféré Sweet Home Alabama, et là c'est intéressant parce que tu vas voir, il y a des subtilités, par exemple il va utiliser la gamme pentatonique de plusieurs manières dont t'as peut-être pas l'habitude. On va voir tout ça en détail, alors va prendre ta gratte et c'est parti. Comme d'habitude, tu peux télécharger les tablatures en cliquant sur le premier lien dans la description. Et une petite nouveauté, c'est que Guitar Pro m'a proposé de faire de l'affiliation. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lien, c'est le deuxième dans la description, où tu peux acheter Guitar Pro en passant par ce lien. Et je peux que te le conseiller, ne serait-ce que pour travailler les solos. Pourquoi? Parce que tu peux l'entendre en même temps que tu joues et en même temps que tu vois la tablature défiler. Et surtout, l'atout principal, c'est que tu puisses gérer le tempo comme tu veux. Donc tu peux baisser le truc et faire jouer le solo au ralenti et le jouer en même temps en ayant les tablatures sous les yeux. Et ça, c'est rien que pour ça, c'est mortel. Bon, tu fais ce que tu veux, on commence l'analyse. Déjà, avant d'analyser le solo, il faut toujours analyser la grille d'accords, l'accompagnement, hein, c'est ça qui est important. Donc ici, on peut difficilement faire plus simple. Il y a 3 accords sur 2 mesures. Donc la première mesure, il y a 2 accords dans la même mesure. Il va y avoir Ré majeur, ensuite Do majeur. Et ensuite Sol majeur pendant toute la mesure, donc 4 temps. Alors moi je le joue ici, ça me permet d'avoir plus de contrôle sur le son, parce que si tu le joues là et qu'il y a des cordes à vide, ça peut un peu foutre le bordel, surtout avec la disto, tu vois, mais bon, tu fais ce que tu veux. Du coup notre morceau, il est en Ré, mais il s'apparente vraiment à du blues, parce qu'il y a le Sol, c'est le 4e degré de Ré majeur, et du coup on a cette cadence qui est vraiment typique du blues, et dans un blues on peut avoir énormément de liberté, tu peux te dire que tu es en Ré globalement, tu peux te dire que tu vas jouer chaque accord, tu vas faire sonner chaque accord un peu comme en jazz, tu vois. Donc il y a plein de liberté, tu peux jouer plein de gammes et on va voir ce que joue Ed King, le guitariste de Lynyrd Skynyrd. Le solo, il commence en anacruz, ça veut dire que la première phrase, elle est jouée avant le tout début de l'accompagnement, avant le premier temps. Donc ça va commencer sur le 3e temps de la mesure juste avant le début de la grille. Donc ça fait 1, 2 et... Donc il commence sur le Sol, il fait un bend. Ça va nous faire jouer la 9e de Sol, de l'accord de Sol, et après, il vient vraiment s'appuyer sur la tonique de Sol, d'accord? Et ensuite, il enchaîne sa phrase, donc là, on arrive sur l'accord de Ré, et il joue ça. Et ça, c'est la triade de Ré, donc ça, c'est la tierce majeure, Fa dièse, et ça, c'est Ré, ok? Donc en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il joue vraiment accord par accord. Ok, il fait sonner le Sol, puis ensuite il fait sonner le Ré. Mais si tu analyses que en Ré ce truc-là, et ben en fait, cette note-là, c'est la quarte de Ré. Ça va créer une tension parce que la quarte, elle tend vers la tierce. On a envie d'entendre ça. Et c'est ce que Ed King nous fait entendre dans son solo. Donc ça commence vraiment de façon très mélodieuse, comme on peut dire. Ça suit strictement les accords. Ensuite, on a un plan sur l'accord de Do et qui va utiliser la gamme de Do mixolydien. Alors mixolydien, c'est un mode. Et si tu connais pas les modes, je vais pas te l'expliquer maintenant parce que ça va prendre vraiment des heures. Je réserve ça d'ailleurs pour un cours, pour une formation spéciale sur le sujet. En gros, c'est comme une gamme majeure, mais avec la 7e qui est mineure, d'accord? Comme si c'était un Do 7 qui était joué tout simplement à l'accompagnement. Ça, on le retrouve très souvent en blues, c'est vraiment typique le mode mixolydien en blues. Et rythmiquement, là, ça devient compliqué, c'est mieux si t'as la tablature parce que c'est en double croche. Le plan, il commence sur la 2e double croche. C'est pas très évident si t'es pas à l'aise vraiment avec le solfège rythmique. Donc, je te le joue très lentement. Et après je t'explique un petit peu ce qui se passe. 3 et 4 et 1 et 2. Donc là, ça c'est la 7e par rapport à Do, la 7e mineure. Et ça c'est la 6th. Donc en gros il tourne autour de la 6th, il fait une sorte d'approche diatonique, ça veut dire qu'il utilise les notes de la gamme. Et ensuite, il vient ici sur la tonique de Sol au moment du Sol.
Ok. Et ensuite, pour pas que ça soit trop lourd rythmiquement, pour pas que ça retombe sur le premier temps et que ça soit un peu téléphoné, quoi, c'est trop attendu, il va rajouter un petit peu de légèreté, il va jouer, il va finir sa phrase sur la deuxième croche du deuxième temps. Donc il fait ça. Et quand il fait ce bend, il vise la tierce de sol au moment où il jouait le sol. Mais le bend, il est pas très clair, tu vois, il est... On sait pas trop s'il joue la tierce mineure ou la tierce majeure. Il vise la tierce majeure, mais le fait de créer cette ambiguïté entre la tierce mineure et la tierce majeure, c'est ça qui va donner cet effet bluesy, ok? Et pour la fin de ce premier solo, il va juste considérer qu'il est en sol majeur, donc il va jouer la gamme pentatonique de sol majeur. Et la gamme pentatonique de sol majeur, si t'as un peu du mal à jouer la gamme majeure pentatonique et à la faire sonner, tu peux te dire que c'est la relative majeure de mi mineur. Du coup, il suffit de jouer la gamme de mi mineur pentatonique. Donc il va répéter la phrase. Mais rythmiquement, c'est décalé. Cette fois, le bend final, il atterrit sur le premier temps. Ensuite, il va répéter quasiment la même phrase, mais avec une petite variation. Alors déjà, il va s'appuyer sur le ré au moment de l'accord de ré pour relancer un petit peu sa phrase. Puis, il va faire presque la même phrase en faisant un petit chromatisme. Donc il part de ré dièse, là, en case 8, corde de sol. Et puis ensuite, au lieu de finir sur la tierce qui va vraiment donner une sorte d'interrogation, cette fois, il va résoudre comme s'il avait posé une question et puis que là, il y répondait. Et il résout sur la tonique de sol, donc sol. Et après cette résolution, il va juste finir sa phrase en redescendant dans les graves pour vraiment comme ponctuer une phrase de français. Il utilise la gamme majeure penta de sol et ensuite une triade majeure de sol. Donc ça, c'est la tierce de sol, ça c'est la tonique, et ça c'est la quinte. Donc on utilise la triade, et là quand il fait ça, juste il entoure, il décore la tierce en passant par la quarte pour créer une mini-tension. On arrive au deuxième solo, là il est plus compliqué techniquement, mais en termes de logique de discours, il est un petit peu plus simple, c'est-à-dire qu'il va quasiment se dire qu'il est en sol majeur et il va quasiment jouer que de la pentatonique majeure de sol. Donc encore une fois, tu peux te repérer sur la gamme pentatonique mineur demi. Sauf que la tonique, c'est sol. Donc la première phrase, ici, il va falloir faire des harmoniques artificielles. Donc ça, c'est compliqué à faire, j'ai mis du temps à savoir le jouer. J'ai dû mettre 2 mois à vraiment m'obstiner en fait. Faut trouver le juste milieu entre jouer ta note avec le médiator et me poser ton pouce en même temps dessus. Mais si tu le poses trop, bah ça coupe le son. Et si tu le poses pas assez, ça fait pas l'harmonique. Donc c'est un peu dur. Ça faut que tu testes toi-même là, ou alors tu demandes à ton prof de t'expliquer. Mais je peux pas trop te le montrer. Et puis là, il joue en syncope. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu maîtrises vraiment le jeu en double croche. Parce que là, ça, même moi, ça va être dur de t'expliquer. Je te conseille de mieux regarder sur les tablatures. Puis il joue un petit peu laid back dans le sens où c'est pas parfaitement comme écrit sur la tablature rythmiquement. C'est un peu au feeling, tu vois, là par exemple, je suis complètement foiré sur mes harmoniques parce que j'appuyais trop avec mon pouce. Donc la deuxième phrase, c'est quasiment la même qu'au début, il reprend le même principe, mais à l'octave du dessus. Tu vois, c'est pareil qu'ici. Donc ça, c'est une technique vraiment simple que tu peux incorporer dans tes propres improvisations. Donc il commence la même phrase. Pour cette phrase, il va faire un gros bend là, un ton et demi. Ça va jouer, alors soit tu penses en accord, donc ça va jouer la quinte de Do. Soit tu penses, moi je préfère penser comme ça, c'est plus simple pour se repérer. Et du coup, si tu penses en Sol majeur, c'est la quarte par rapport à Sol, ok, qui va créer cette tension parce qu'on a envie de résoudre sur la tierce de Sol. C'est ce qu'il fait en refaisant un bend, mais un petit peu plus juste. Avant de revenir sur la tonique. Et ensuite, il redescend la phrase sur Ré. Et Ré, ça va pas servir de tonique là parce qu'on n'est pas sur l'accord de Ré. Ça sert vraiment de quinte par rapport à Sol. Et la quinte, elle va apporter une sorte d'instabilité, tu vois. Ça va créer une espèce de petite question. On se doute que le solo, il se termine pas maintenant, tu vois. Ça permet de relancer le solo. Et là, il va attaquer dans les plans un peu costauds du rock. Il est pas évident ce plan. Je vais te le jouer au ralenti et puis tu peux regarder sur la tablature et mettre le tempo vraiment lent pour l'avoir dans les doigts. Donc pour le plan un petit peu technique, il va se servir de cette note là comme bourdon. Donc il utilise le sol, la note sol, d'accord? On est dans la gamme de sol majeur penta. Et ensuite, ici il joue la seconde de sol, mais c'est aussi la quinte de ré,
au moment où il joue le ré à l'accompagnement. Donc une seule fois au début. Ensuite, il joue cette note-là. En case 17, et en fait, c'est la tonique de Do. Au moment du Do. Et ensuite, au moment du Sol, il joue en case 16. Et ça fait sonner la tierce de Sol. Si je simplifie ce plan-là pour juste que t'aies un peu la mélodie dans l'oreille, ça fait ça. Bon, tu sais quoi, je te joue le plan en ralenti et tu te débrouilles. 3 et 4 et... Ensuite, il fait un petit plan pour remonter la gamme de sol majeur pentatonique, mais il utilise la position que tout le monde connaît de mi mineur pentatonique en case 12, là, donc en première position. Sauf qu'il commence sa phrase avec un petit chromatisme, donc il est en case 13, corde de la. Cette case 13, elle va faire sonner la tierce mineure de sol, et ensuite on résout sur la tierce majeure. Ok, donc ça apporte le côté bluesy, comme tout à l'heure. Je te le montre en ralenti, ça commence sur le premier temps. 3 et 4 et... Ensuite, il reste sur la tonique. Bon, je sais plus combien de fois il fait ça. Mais à un moment donné, il va arriver sur cette note. Par rapport à Sol, c'est la septième mineure. Ouais. Et du coup, cette septième mineure, elle nous indique, comme tout à l'heure quand on était sur l'accord de Do, que c'est la gamme mixolydien. C'est le mode mixolydien de Sol, d'accord? Donc c'est une gamme majeure avec une septième mineure, tout simplement. Ensuite, il va faire un plan comme à la façon de John Frusciante, où il joue ce truc-là. En gros, c'est de la polyrythmie, il a un placement rythmique qui se décale dans le temps. Donc ça, j'en ai parlé dans une vidéo sur John Frusciante, c'est exactement la même chose qu'il fait, c'est en double croche, et il fait sonner la sixte par rapport à Sol. Voilà. Et ensuite, il va redescendre sur la gamme pentatonique de Sol majeur, donc ça commence sur le 1, 3 et 4 et... Il atterrit sur la tonique, et il passe par cette note. Donc ça, si tu te repères par rapport à mi mineur penta, c'est la blues note. Mais comme on est en sol majeur, note de référence c'est sol, c'est la tonique. Et du coup cette note là, c'est la tierce mineure par rapport à sol. Du coup ça crée aussi une tension, mais c'est pas la même tension, t'as compris. Donc encore une fois, il se sert de l'ambiguïté entre la tierce mineure et la tierce majeure pour donner un côté bluesy à son solo. Ensuite il va remonter progressivement cette gamme. Et il va utiliser une petite stratégie, c'est-à-dire qu'il va jouer quasiment le même plan, trois fois de suite, mais transposé. Je t'explique le principe. Donc le socle de notre plan, ça va être ça. Et le reste, bah, c'est des fioritures pour tourner un petit peu autour de cette idée-là. Donc il fait 3, 4 et... Tu vois ce plan-là ? C'est la même chose que ce plan-là, sauf que c'est une quinte au-dessus. Et ensuite, il rejoue le même premier plan, mais à l'octave du dessus. Et ensuite, il continue de monter la gamme. Et il joue trois fois ce bend-là, ça permet vraiment de créer un point d'accroche pour les auditeurs. Et cette note, elle fait sonner la tierce majeure de sol. Donc il insiste vraiment trois fois de suite sur la tierce, et on n'est pas encore dans la mesure où est joué sol majeur à l'accompagnement. On est toujours dans la mesure où c'est ça. Donc le fait de jouer cette tierce majeure de sol, on peut considérer ça comme une anticipation de la mesure suivante. D'accord ? C'est très courant de faire ça en musique. Et pour terminer le solo, il redescend dans les graves. Bon, c'est pas vraiment dans les graves, mais il redescend par rapport à là où on était. Et pour ponctuer, tu vois, comme tout à l'heure je te disais, et il utilise quasiment le même plan, là, le truc avec la tierce mineure. Tu vois, ça c'est pour encore créer un point d'accroche. Il a peut-être pas fait exprès, mais en tout cas ça fonctionne. On l'a déjà entendu, du coup quand on le réentend, ça nous sonne familier et ça permet de rendre le solo plus mémorable. Et c'est en partie ça qui rend le solo légendaire. Et on conclut le solo en commençant notre phrase sur le deuxième temps. 3 et 4 et 1.
Voilà, je t'ai noté les points clés de cette analyse sur les tablatures. Donc encore une fois, tu peux les télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc cette semaine, au moment où j'ai décidé de faire cette vidéo sur Sweet Home Alabama, il y a Paul Davids, qui est un guitariste YouTuber qui a plus d'un million d'abonnés, qui a décidé de sortir exactement quasiment la même vidéo. Donc c'est vraiment une coïncidence, c'est un hasard. Mais je te conseille d'aller voir sa vidéo quand même, parce que ça se complète, on n'a pas la même vision. Enfin, on n'a pas la même approche, ce qu'il dit est vrai, ce que je dis est vrai aussi. Voilà, c'est juste différent. J'oublie tout le temps de te le dire, mais tu peux me suivre sur Facebook, je raconte pas ma vie. C'est juste pour publier des tablatures tous les jours, un petit riff connu, comme ça, ça te permet d'apprendre des nouvelles choses à la guitare. Je te dis à bientôt dans un nouvel épisode de Pourquoi ce solo est légendaire. Ça sera le dernier de l'année. Je sais pas trop quand il va sortir, soit pour Noël, soit pour le nouvel an, mais je te préviens, il y a une petite surprise, il y a une petite collab, mais je t'en dis pas plus. En attendant, dis-toi bien que tu vas pas devenir une légende juste en regardant mes vidéos. Alors va prendre ta gratte et entraîne-toi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un petit message pour mes abonnés les plus fidèles, voilà. Tu le sais, je vends des formations. Va faire un tour sur mon site pour voir un petit peu les produits que je propose et je te dis à bientôt. Ciao.